Et puis sécurité débarqué, sécurité femme dans descendre d'où sont dans des bois marié. Et puis sécurité RGPN repousser madame là avec toute backup li dégavel là. Même côté aval bon relé l'autre backup. Monsieur Katim est venu. Aïe aïe aïe. Et puis renforcer périmètre de sécurité donc la Kalia. Madame monsieur. Ouais, soit pour raconter là. Ou tout montrer Valbon chef que le président a assassiné. Oh, il n'a pas de café ça. Il n'a pas de café ça. C'est bien. C'est un chef. Eh bien. Eh bien. Qu'on y avait maintenant tout. Un petit moment après, vers 8h du soir. 8h, 9h du soir. Qu'est-ce qui dérape, qui débarque là, Kay Valbon? Le chef du cabinet du Premier ministre, le docteur Ariel Henry. Le chef du cabinet du Premier ministre, monsieur Satuné. Satuné. Gokou c'est Kay la Kay Valbon. Et monsieur, Premier ministre pour m'a nommé monsieur. Oui. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Parce que fuck, arrêtez à sortir. Normalement, mon frère. Kay la Kay, Lionel Valbon. Secrétaire général du Palais national a recevoir chef cabinet Premier ministre. Qui dit monsieur, attendez, non. Et... Chef cabinet, comment il est? Monsieur Saturné. Bon, l'autre, non. Bon, l'autre, non. Ma bonne, non. Monsieur Alex, là. Non, non. Bon, Alex, oui. Bon, okay. Alex, qui c'est. Mon, non, Alex, de... Alex Richard. On parle Alex Richard. Oui, il est dans le cabinet. Ok, oui. Chef cabinet a dit, Valbon, attendez, non. Et il est combattu, oui, là. Il a gâté. Sorti là. Monsieur, c'est l'ingénieur Saturné Samuel. C'est directeur du cabinet du Premier ministre. Gela gante, Valbon dit sa pièce. Oh. Connaissant Valbon, son manque de gars. Sorti là, Gien privilège, Valbon dit sa pièce. Connaissant Valbon, son manque de gars, oui, ça y est. Pertinence. On est pertinence, oui. On est pertinence, permettre. Gien privilège, me dit sa pièce. On peut être dans le poste, me dit sa pièce. Il dit mon question de poste, par exemple, poste. Son question de la loi. Oui. Règlement. Lui-même, comme. Ça m'a fait là, pour payer, m'a fait, monsieur. Oui. Mais son question de la loi. Oui. Il n'y a pas de rien qui illégal. Illégal avec personne dans le pays. Là, il est facile de parler de l'autre bord. Tu connais, tu comprends ce qu'on dit. Ah, c'est Valbon. Oui. Lionel Valbon. Il sait mon tel dit tout avec ça. Si sous Jovenel Moïse, il n'y a pas de rien qui est illégal avec l'équipe Jovenel Moïse, là, il n'y a pas de rien qui est entré dans le bagage illégal avec aucun nègre. Claire, monsieur. Monsieur, clair sur ça. Je dis, chef cabinet, où est-ce que vous avez voté pour moi là? Pour vous servir le conseil des ministres, côté que tout ministre d'accord, signé pour le ministre révoqué. Et puis lui-même, la voué dans le moniteur. Depuis pas de bagaille ça, ou même sauter pompé, on n'est pas fait. Rien. Si Marie va monter, si Marie va descendre. Et le fait, secrétaire général du conseil des ministres, dans toute organisation, vous voyez tout le temps de mon secrétaire, secrétaire général, eh bien, c'est secrétaire général conseil des ministres qui pour dresser pour ces verbales clair dans le cadre conseil des ministres et c'est erreur l'imande côté pour ces verbales là oui c'est pour ces verbales là qui parle bali toute l'attitude pour le faire ça gain pour faire quelque chose réunion les gars fait et puis Valbon relax ça quand il oui mais faut me dire que j'ai enragé Valbon au campé mine non. Le chien a cheval brio, le gars chez Benio, le gars comme mine. Non, qu'on y a gagné. Danser dans bang. C'est le président Jovenel qui est là, pas de gagner chez Ben. Ok. Qu'on y a gagné. Mais c'est vrai. Le gars comme dans bang. Le chef cabinet a présenté la toute ouais qui la pas marché. Monsieur Badde Bobundal, la lé. Mais ça qui passe hier. D'où ça veut dire, madame, monsieur? Le gars qui j'adore, souligne. Qui j'adore. Capote de précision. Ok. Et pour. Confirmez ça en tout dit là. Ok. C'est le secrétaire général qui officialise l'acte. C'est Guichard Doré en ligne. Professeur Guichard Doré. Professeur, comment nous y est? Bienvenue à Matin Débat, comment nous y est? Ah, Louko, on va pas nous changer l'histoire, nous. Ah! Wow! Wow! Wow!
Radio Galaxy. Exactement. Non, nous faisons Radio Galaxy avec Richard Doué. Oui. En 95. Oui, je sais. Et Zahid, donc, moi, c'est un bel débat. Merci. Alors, moi, ouais, là, je suis un aspect pédagogique, c'est pour ça que je suis un bien. Et tout ça, nous dit là, c'est salié. Ok. Et ça, je voulais faire connaître, c'est que le secrétaire général de la présidence, c'est lui-même qui doit assurer la sécurisation du parcours d'officialisation des textes de l'État. Des textes de l'État, très bien. Bien, moi, je prends encore. Le secrétaire général de la présidence, c'est lui-même légalement qui est habilité pour assurer la sécurisation du parcours d'officialisation des textes de l'État. Très bien. Maintenant, dans ce qui passe là dans le Conseil des ministres, ça d'abord information pour que j'aime le Conseil des ministres. Monsieur Ariel Henry, depuis privé pour que j'aime le Conseil des ministres. Très bien. Parce qu'il y a un texte réglementant le secrétariat ou le Conseil des ministres. Ça a été pris par le gouvernement de président Boniface. Pour que le Conseil des ministres, faudrait-il que le secrétaire général du Conseil des ministres, c'est lui-même qui pour inviter les ministres dans le Conseil des ministres. Correct, très bien. Or, ça, M. Ariel a fait depuis l'arrivée là. Il était tenté de faire un bail qui va arriver depuis l'arrivée du Conseil du gouvernement. Ok. Il fait le Conseil des gouvernements. Parce qu'on voit que c'est le secrétariat général de la primature qui est invité. Or, il n'a pas cette compétence. Ok. Quand on fait le Conseil des ministres, c'est le secrétariat général des ministres qui pour inviter les ministres. Maintenant, comme M. Ariel Henry, c'est limité un lieu, puisque en vertu de l'article 149, première alinéa de la Constitution, si le président décédé ou bien destitué le démissionner, c'est le Conseil des ministres qui exerçait le pouvoir exécutif sur une période de 120 jours pour faire les élections. C'est un conseil collégial. Toute décision qu'a prise, c'est de façon collégiale pour le président. Il a pour le présider. Il n'est pas là pour l'imposer. Or, hier paraît-il que c'était une réunion d'information. 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 Il vient, il dit Mounio, il vient d'ailleurs. Il a humilié les ministres. Il fait revenir depuis à midi. Il fait mal à 4h. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, maintenant, il vient annoncer trois bagailles. La première, c'est que il a annoncé que il y a un accord qui était joint avec des groupes de l'opposition, etc. Deuxièmement, ça l'a annoncé, c'était en commission pour Grand Sud. Troisièmement, c'est les nominations. Maintenant, là, c'est un ministre Mandeli, et déjà un salaire. Vous n'avez pas eu le mandat, monsieur le Premier ministre, pour faire ça. Et monsieur dit, c'était une réunion de formation, et puis livrer de l'allée. Donc, moi, je pense que c'est un coup de Mussolini. On n'est plus dans le gentleman, alors qu'il y a une façon de procéder. Maintenant, le directeur, le secrétaire général de la présidence, monsieur Konen Kapre en prison, s'il permet sa fête. Alors, il y a deux parcours d'officialisation, de sécurisation. Le, moi, j'ai shooté sur le directeur de presse nationale, mais attention, il doit faire ça, parce que il n'y a pas qu'à pour un document sorti dans la primature. La primature n'a pas les compétences pour envoyer un document pour obtenir un moniteur. Bien. Et si le Premier ministre, ou bien le gouvernement, Daniel K, c'est pas le Premier ministre, c'est le gouvernement de base collégiale, ils sont une autorité collégiale. Si pour une décision, il faut tout ministre aussi, et il y a voué le secrétaire général à ce moment-là, il s'est assuré que la sécurisation du parcours de production des textes de l'État, du officialisé, il voué le bas. À ce moment-là, le directeur des presses nationales a eu l'autre moyen volontaire qui est pour le publier. Ok? D'accord. Alors que Ketagon est dans le texte, ça, qu'on ne va pas faire du tout, il y a un matériel, il ne va pas changer à vous. Il va tourner pour faire circuit encore. Il ne va pas changer lui-même. Non, du tout pas, il s'est pris prison pour ça. Ah bon? Ah oui! Y compris le secrétaire général, c'est le tapon baranamé, M. Ariel Henry, qui dit, il faut l'assurer que le conseil des ministres, c'est le conseil. Alors, moi-même, c'est des présidents déjà, maintenant, fait l'histoire là. Je ne suis pas au palais, je ne suis pas au gouvernement. Moi, c'est qu'on a des voies de pédagogie avec les jeunes, etc. Le président Jovenel Moïse, dit qu'on a minorité en conseil des ministres. Ah bon? Le conseil des ministres, c'est la rencontre entre le gouvernement et le président, le chef de l'État. Des ministres qu'on a porté projet pour le président, le rivet, le vage, une adhésion, l'ensemble des ministres, le ministre pour le passé, le document va passer, non? Il va passer, j'ai vu ça souvent. Non, c'est un espace collégial. Est-ce que Sénégal dit que nos conseils des ministres, le président est mineur, non? Le président qu'on voit même déjà tout le monde. Okay. Comme généralement le président ne vote pas. C'est ça, rien ne va comprendre. Quand il est président, lui, là, il va président, c'est même genre au niveau de la Chambre des députés, les réunions. C'est-à-dire, ouais, bah, la 50-50, il a tranché. Eh bien. Ok? Donc, lui-même, il vient poser.
Oh, ça le fait là. C'est déjà son accord qu'il n'avait pas le mandat du conseil pour le faire. Parce que là, ils font pression pour dire président, secrétaire général, l'a publié un accord dans Moniteur. Moi, j'aime publier un document ça. C'est des documents qui viennent chez Ariel et ses amis. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas un accord qui est opposable à la nation. Très bien. Donc, maintenant, ce qui est très important aujourd'hui, moi, je crois que ils ont demandé pour nous gagner un peu de sagesse, etc. Et venir. Monsieur Ariel vivait là, même toujours dit, il y a 14 actes constitutionnels, juridiques et protocolaires pour arriver premier ministre. Ariel, son seul acte est fait pour lui. Mm-hmm. Pour moi-même, Ariel rentre là par effraction. Ok, il va rentrer par voie normale. Et pour le président Jovenel, pas de signer et ça me darrelé et ampliation. C'est oui. L'ampliation, c'est les documents qui font foi. Oui, oui, c'est mais. Les documents mais d'officialisation. Mais t'es gon arrêté quand même. Non, on m'a arrêté à fait. C'est qu'ils ont communiqué, arrêté, mais c'est le président Vini du Mouton parce qu'il n'a pas été présenté à la nation. À la nation dit, voici le premier ministre de la nation. Bon, bon, procédure là. Mm-hmm. Le président fait cérémonie d'investiture là. Comment ça, ça veut dire? Il a dit, même Moussa Fazou comme premier ministre, je ne sais pas où il connaît, il n'a pas été détruit. C'est moi qui suis le président de la République, le chef de l'État. J'ai été investi du mandat de la population. Je suis M. Pouno Dengerel. Il y a là tout ensemble de corps que le premier ministre a fait pour travailler avec vous. Et les corps, les hautes dignités de l'État, tout le monde s'est invité dans la cérémonie. Et le président finit de faire pour aller installer lui dans la primature. Pour dire primature, mon primature, voici le chef du gouvernement dont je vous propose, etc. Tout ça n'a pas été fait. Il y a 14 actes constitutionnels, juridiques et protocolaires pour le premier ministre. Ariel Henry, c'est un seul acte qui est fait là-dedans. C'est pourquoi que moi-même, moi, je crois que dans la position parlée, si je suis dans la position parlée, moi, je suis sage. Moi, je travaille avec monsieur. Puisqu'on a une période difficile, moi, tout le monde connaît, moi, toujours à la recherche du compromis. Moi, je travaille avec monsieur pour nous voir comment il a sorti dans un passage, tout le monde conscient, nous avons des difficultés. Mais venir pour venir faire un gros sale, etc. Je ne sais pas si comme ça, on peut bousculer les institutions et les pratiques institutionnelles. Très bien. Merci, merci, monsieur Guichard Doré. Je ne vais pas l'avoir maintenant. Merci beaucoup. D'accord, merci en pile. Bon, voilà. Et merci en pile pour vos précisions, ça y est, qui est très important. Ok? Donc, ça, c'est la première étape là. Ah. Alors, si le si premier ministre l'entendait nous hier, il y a un ballon paquet de consultations là. Comme toujours. Comme toujours. Monsieur, il n'y a pas de rentrer dans ça. Ouais. Parce que, monsieur, ici, il y a nous pas de défendre quand. Mm-hmm. Ni quand gauche, ni quand droite, nous pas de intérêt nous ce pays. Mais nous faisons toute considération de faire et là hier, nous parler à des gens. Maintenant, ça c'est pour permettre que nous gagnons des bagages qui étaient qu'à épanier. Maintenant. Pour le ministre de l'Intérieur dans ça. Si vous êtes en démat, Depuis sous Jovenel Moïse, oui. Oui, depuis sous Jovenel Moïse. Ça, professeur, Doris, se dit là. Si vous êtes respecté avant, pendant Jovenel était là, il va la continuer. Il va la priver, nous va la priver là. Ok. Allez, vous partir. Mais avant, vous avez Colo Imleobi. Ok, très bien. Matin débat, colonel Imler Rebu, quand on situe dans le débat ça, comment nous y est? Mon cher, en pile tristesse, en pile désolation, pour nous regarder le pays à l'Italie là, inquiétude maman, papa petit, inquiétude qui marchand dans la rue, nous suspendons vivre, nous tout tournons rats, nous pas cap traverser la rue. Ce n'est pas même chat nous prenons encore, nous passons tout le chat au bon côté dans le gros bureau, nous ne pas sorti. Quand nous avons la rue, nous ne pouvons pas traverser. Ouais. Et moi, passé samedi sous champ de masse, moi, l'État a capté moi et la peur, parce que son série de gros drains qu'ils mettaient pour barrer le route par les nationales, cela veut dire que nous sortis dans la ville assiégée, nous. Après rentrer dans la ville, dans l'étranglement, et jusqu'à ce que les étranglements sont pour rentrer par les nationales. Pendant ce temps, où est tout le monde qui aspire au pouvoir, fait distance l'État à un point tel, que n'y a pas organisé pression pour permettre tout le monde qui fait proposition, que ce soit et groupe Pennan. Il lui-même te dit, faut gagner un président bicéphale avec président Lambert, premier ministre Ariel Henry. Que ce soit l'université qui sortit un document qui baille des repères juridiques qui montrait attention, bagaille nous cap gain pour nous prendre décision,
mais qui repère légal que nous t'acap suivre pour nous t'acap ouais pour nous mettre en place. Ou gagne un groupe société civile là qui font gros travail en pile belle pensée théorique pendant 6 mois. Dans tout document yo, même dans sa primature a sorti qui dans bagaille monocéphale, j'ai l'impression que yo obsédé par un bagaille qui te saute dans bouche blanc. Yo pas avec toute force blanc gagne des faiblesses pour nous mettre tête ensemble qui baille. Même veut dire ça moi plus sage. Étant donné que nous tous c'est un bagaille nous voulons faire pour pays à pour une harmonisation pour nous sortir dans ça nous hier. Parce que si c'est la loi pour nous respecter, tout repère légal est tombé. Tombé. Et c'est œuvre maladroite, président Jovenel Moïse fait, qui mettait nous dans ça. Nous n'avons pas une graine article dans la Constitution que nous avons évoqué pour nous prendre aucune décision. Qui ça nous aurait pour nous faire? On est ensemble pour nous faire. Claire. Donc moi-même, je suis suggéré au docteur Ariel Henry, qui n'a pas position de fait, parce que nous voulons que nous ne voulons pas. Si nous avons pris Badia là, c'est lui-même qui a besoin. Autant écrit tout secteur ça qui fait proposition ça, par là tout, on fait une assise de 3 jours. Et avant nous entrer dans ça là, nous faisons seulement, après 3 jours, il faut nous sortir à une solution consensuelle à toute proposition. Là, ça, la population est capable de suivre, il y a qui nous dit de bonne foi, qui nous dit de mauvaise foi. Et nous avons une décision, les gens nous connaissent, c'est la décision. Mais après pour un groupe, il y a une idée pâle. Il y a une idée pâle pour passer. Les gens nous rentrent dans la matinée de basse dia. La politique, c'est un rapport de force. Ouais. C'est moi qui a une capacité pour imposer volonté là. Parce que ça a la possibilité d'exercer la puissance. C'est ça où il est la puissance en politique. C'est la capacité pour imposer volonté à moun qui en face soi et le baguer l'autre solution. Ouais. Je dis à nous, nous ne baguer ça. Maintenant, on attend des autres qui ont fait dans la justice, comme nous avons dit d'aller à monsieur, premier ministre qui est dans le compte public avec les ministres et commissaire du gouvernement, d'après des dispositions qui sont illégales, parce que dès lors que le dossier a transféré, dans le bureau, on juge d'instruction, le commissaire du gouvernement légalement pas pour l'intervenir là-dedans. S'il y a un élément supplémentaire, il est capable de voir un document supplétif par juge d'instruction pour dire mais tel élément que je t'ai raté, mais telle information supplémentaire que je ou à juger là-dedans ou après décision. Donc maintenant, nous sommes dans une guerre d'enfants. Pour que personne ne soit capable pour faire un café, ça veut dire pour mettre des prises pour les nagodettes. Et puis, pendant ce temps, vrai problème, il aurait été là. Entier. Mais ce temps de Nabdi là, moun qui sorti pour la direction pays à carrément, il y a un marché public qui a fait recette, il a imposé loi. Donc pendant ce temps, moun qui n'est pas pays à par contre, qui ça pour faire le premier pas intelligent. Nous-mêmes, nous avons dit encore. Pas de personne qui a raison là. Pas de personne qui est capable de raison là. Seule raison que nous sommes capables de gagner, c'est constater des autres que nous avons là-dedans, mettre tête ensemble pour nous être jeunes à sortir là-dedans. Eh ben. Donc moi-même, moi, dès le départ, ça me déconseille que l'équipe qui a signé maintenant, nous avons signé à gauche, il a signé à droite, ça n'a pas signé matin. Hein. Où est-ce que c'est quand vous allez trahir Jésus sur le bois du calvaire? Toi, fait de Judas. Pour qui raison? Parce que je dis à l'autre, si c'est tout le monde droit, je t'arrête l'eau pour une responsabilité dans ça, nous là. Mon cher, faut réfléchir, puis vous regardez, écoute, madame, mon petit, tout. Maman, papa, vous dit, est-ce qu'on peut protéger ça? Oui. Donc, moi-même, je crois que au niveau d'inconscience, je me dis, nest cap dit. Et dans 3 mois, on va résoudre le problème de sécurité. Qui donne une nouvelle qui change, qui fait nous capable résoudre le problème qui est là, yo, que nous passons 3 ans à traîner avec eux, nous capable résoudre en 3 mois. Bah, on est. Il faut reprendre les troupes en main. Ça a pile conditionnalité technique et humaine. Est-ce que l'État a des moyens, je dis, l'État n'a pas même des capacités pour contrôler les douanes?
li pa gen capacité pour contrôler les allées, les entrées, les sorties des gens sur le territoire national. Donc on fait preuve d'un petit peu de sagesse. A gen nou di gen raison, on a chite en côté pour nous essayer nous cap sorti avec un bagage qui cap utile pays. Très bien. Parce que ça cap fait là tout bagage illégal et c'est pas acteur qui cap fait bagage illégal non. C'est carbone qui prépare, je le prépare, pas gen personne qui cap évoquer la loi là dedans non. Donc calmons-nous. Merci en pile colonel Himmler Rebu. Merci en pile. Pas de problème monsieur, bon travail. Je vous souhaite tout pour nous retourner à la sagesse. On ouest une cap sacrifice vraiment, mais vraiment pour Haïti, je tiens. Merci en pile, colonel Himmler. OK, bon. Nous tenons premier parti. Analyse là. Pas oublier que matin débat. Lui son film. Que vous avez suivi, que vous avez gardé. Il y a débuté Alfredo qui. Ah, débuté Alfredo. Qu'on côté le commencer, qu'on côté le film. Qu'est-ce qu'offre? Ok. Qu'est-ce qu'offre souterrain là? On allait avec le député Alfredo Antoine. Et dans le cadre de débat que nous avons matin, il était là, oui. Parce que parole qui parle pour matin là. Débat. Match à 8. Match à 8, mais malheureusement, pas à Haïti. Député Alfredo Antoine, bienvenue à l'émission Matin Débat. Côté aussi, tu es dans le débat ça. Merci Louko, m'a salué tout panel là net indistinctement et collègue Matin Tatout. Matin hein? Tatout. Moi changer mon son non. Ou pas belle Pierre Maria. collègue Lexi et alors et collègue Lexidor et puis non, mon Esaü, ami Esaü, César.